Yep. Monsieur les représentants de l'ombre. Le jette dehors et les gens le piétinent. Une ville située sur une montagne, on la met sur le lombard. Apprenons à profiter. Des États-Unis au Congo, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, en ce jour particulier, vous souhaiter avant toute chose la très cordiale et chaleureuse bienvenue au quartier 43 de Mongali. Soyez les bienvenus à Mongali. Mongali qui est le carrefour géant de Brazzaville, parce que sur 9 arrondissements, et bien 6 arrondissements, 5 font frontière avec Mongali. Nous avons Filou, par la rivière Filou. Nous avons également l'arrondissement 1, Makelekele, du côté de Diata. Nous avons Potopoto, après les rails. Nous avons Wenze, du côté de Madoukou. Et en allant vers Kombo, nous avons Djiri. Donc nous avons 5 arrondissements. Sur 9, plus nous, ça fait 6. Nous sommes donc au cœur, mesdames et messieurs. Et ce cœur, justement, est devenu depuis quelque temps le lieu de prédilection, l'implantation des écoles. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup, qui s'implantent ici à Mongali en raison de la centralité, mais également en raison de la proximité avec les autres quartiers. Et nous en sommes très fiers. Nous en sommes très heureux. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mais soyez les bienvenus chez vous à Mongali, parce que ici, tout le monde est chez lui à Mongali. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. D'une déclinaison d'un ensemble de projets, de l'école. École internationale histoire du pays. Je sais qu'il y a un module à Pointe-Noire, mais il y a aussi un module à Makelekele où nous étions conviés dernièrement à la cérémonie de remise de prix. Et aujourd'hui, le promoteur a pensé installer un module ici, au quartier central de Brazzaville, l'école américaine du plateau des 15 ans. École américaine.
Et lorsqu'on a vu le programme bilingue anglais et français, on se dit que c'est une école qui se projette vers l'avenir. Une école qui souhaite donner le meilleur aux enfants très tôt. Au lieu d'envoyer les enfants à l'extérieur, eh bien ici, le promoteur a pensé, parce que j'ai visité, il a pensé mettre les commodités qu'il faut à la disposition des enfants pour que les enfants apprennent correctement, mais également avec des enseignements de qualité. C'est cela. Et nous sommes venus ici pour apporter notre soutien à cette entreprise. Et nous pouvons dire aux promoteurs que nous sommes disposés en tant qu'administration à accompagner ce projet. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez quelques soucis que ce soit, en tout cas, qu'ils puissent être réglés par nous, et bien nous le ferons parce que ce que vous faites intègre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, dans son pacte social avec le peuple congolais, insiste dans la déclinaison formation, il insiste sur des formations scolaires de qualité pour nos enfants, pour former l'élite nationale de demain. On n'est pas obligé d'envoyer les enfants à l'extérieur. Si nous avons de bonnes formations ici, de bonnes structures scolaires chez nous, de sorte que nous aurons des enfants bien formés, mais qui ne sont pas étrangers à leur pays. Des enfants qui apprennent, qui ont des enseignements de qualité, mais qui trouvent in situ, ici chez nous, dans notre pays, et qui connaissent aussi la réalité nationale, parce que il arrive effectivement que nous ayons des enfants qui étudient à l'extérieur du pays, n'est-ce pas ? Ils ont de la formation, mais quand ils viennent ici, ils sont totalement déphasés. Ici, eh bien, la prétention dans cette école et dans d'autres que j'ai vues ici au Plateau des 15 ans, dans d'autres, il s'agit de donner le meilleur à nos enfants sur place et que les enfants connaissent les réalités du biotope national. Hein, les enfants qui connaissent notre climat, qui connaissent les choses de notre pays, les champignons, les chenilles, et tout cela, les saisons et autres, qui n'aient pas besoin de voir ça à la télévision. Mesdames et messieurs, en tout cas, en vous réitérant nos félicitations aux promoteurs, en remerciant également la mairie centrale pour l'accompagnement de ce projet, eh bien, je vous dis en tout cas bon vent, bonne chance. Et aller de l'avant, nous sommes là avec vous, mais sûr que nous allons vous apporter ce qui sera possible de faire, en tout cas à notre niveau. Je vous dis, mesdames et messieurs, merci. Monsieur la ministre au maire de la ville de Mongali, pardon. Monsieur le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis au Congo, et je voudrais dire particulièrement à vous tous, distingués invités, mais particulièrement aussi à monsieur le docteur Sylvain Malunga pour l'effort qu'il a fait, le travail qu'il a abattu. Et l'administrateur maire de Mongali m'a précédé en tout point de vue. Sur les moindres détails. Et je voulais d'abord dire mon admiration, et je crois que vous serez tous d'accord avec moi, parce que ce fruit que nous voyons aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Et la grande appréciation et l'admiration que j'ai pour le consul du Congo aux États-Unis, qui d'ailleurs travaille énormément pour le jumelage de la ville de Brazzaville avec Bolingbroke aux États-Unis, et travaille énormément, c'est le signe qu'il est venu montrer. Il est parti, il est revenu, mais pas les mains vides. Il est parti, il est revenu pour dire que ceux qui sont partis avec moi sont partis. Il y en a qui sont restés. Mais moi, je reviens pour dire aussi que non, vous allez venir là-bas. Mais avant de venir là-bas, venez vous préparer. Il appelle les plus jeunes à se préparer.
et commence donc à préparer demain. Et mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, il disait que le chef d'État lui-même exhorte la jeunesse à se former pour être prêt à affronter les challenges de demain. Et c'est ça justement. Nous avons commencé par nous cultiver en français, en langue nationale. Maintenant, on va le faire aussi en anglais. Mais sans pourtant, vous voyez, qu'il n'y a pas eu besoin de déplacement, on reste toujours dans nos coutumes, dans notre environnement, dans nos us, dans nos habitudes de consommation. Et ces jeunes qui seront formés ici, en anglais et en français, seront prêts pour affronter les challenges de demain. Et ça, encore une fois, je voudrais que tous ensemble ici, on applaudisse le docteur Sylvain Malouf.